pense et que je mûris l'idée. Et je crois que ça y est, c'est officiel. J'ai envie de créer un livre pour enfants. Et quoi de mieux pour s'inspirer que de retourner un petit peu dans le passé? Et pour cela, direction la maison de mon enfance, chez ma grand-mère, dont les placards regorgent de souvenirs chaleureux, de contes illustrés et d'objets parfois vieux de 100 ans. Une petite virée nostalgique qui s'harmonisait à merveille avec mon séjour chez mes parents, dernier temple de mes reliques d'enfant. Quand j'y vais, j'adore m'enfermer dans le grenier pour feuilleter les livres qui m'ont accompagnée jusqu'à l'adolescence. J'en profite pour regarder les étagères de mon père qui plient sous le poids de nombre de DVD que j'ai dévorés quand j'étais plus jeune, et je redécouvre la nostalgie des vieilles cassettes vidéo dans lesquelles je pouvais retrouver mes dessins animés préférés. Bon, maintenant que j'ai replongé dans tous mes souvenirs, il est temps de revenir au présent et de rassembler toutes mes inspirations. J'ai beaucoup réfléchi au style de ce livre. Je me suis posé beaucoup de questions parce que, à la base, en fait, j'aurais aimé le faire en traditionnel, donc en peinture ou au crayon, à la pastel. J'avais pas encore vraiment décidé du support et je pense que ça aurait plus été un mix de tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de temps, ça allait être compliqué. Après, c'est pas quelque chose que je mets de côté. Je pense que j'ai déjà en tête des idées de produits dérivés ou de choses que je pourrais faire directement au tradi parce que j'ai aussi envie d'intégrer à mon dossier d'édition ma technique de traditionnel. Mais je pense que pour la conception même de l'histoire, je vais rester sur du digital. C'est ce qui sera le plus simple et c'est ce qui me permettra aussi d'avoir une marge d'erreur que le tradi me permet pas trop d'avoir. Et je pense que pour un premier livre, c'est pas mal que je m'autorise une marge d'erreur. Donc ça a été la première étape, un peu compliquée à choisir, parce que ça détermine en fait... ça m'a pris des mois à décider la technique que je voulais faire et l'univers que je voulais créer. Ce livre, je le crée avec tout mon passé de lectrice, tous mes souvenirs d'enfance, toutes les émotions que j'ai pu ressentir et que je ressens encore aujourd'hui quand je replonge dans ces livres, dans ces activités que je faisais, dans des photos que je peux voir. J'avais vraiment envie de mettre ça dans mon bouquin. J'ai l'air hyper à l'aise, c'est incroyable à quel point je suis mal à l'aise de parler seule devant une caméra. Je pense que ça va se voir que je ne suis pas encore très à l'aise à la caméra. Je suis désolée si ça a l'air un peu forcé ou un peu gêné, mais on verra avec le temps et je pense que ça va s'améliorer au fil des vlogs. Je suis hyper contente parce que ça fait des mois du coup que je travaille et que je réfléchis à comment j'ai envie de faire mon livre. Le style graphique, et c'est ce dont je vous ai déjà parlé au courant de ce vlog, de toute la recherche graphique, des inspirations. Et en fait, j'ai beaucoup hésité parce qu'à la base, je voulais faire des personnages humains. Et puis après, je me suis rendu compte que non, j'avais envie de faire des personnages plutôt animaux parce que je me sentais pas légitime de dessiner des humains parce que j'aimais pas trop le côté humain. Enfin, bref. Et j'ai énormément oscillé. Et en fait, il y a quelques jours seulement, pour vous montrer à quel point je peux changer d'avis, je peux être très versatile en termes d'avis de style ou quoi. Mais du coup, voilà, il y a quelques jours, en fait, j'étais frustrée. Chaque fois que j'essayais de dessiner un personnage animal, ça fonctionnait pas, en fait. J'étais contente du personnage, mais j'arrivais pas à le visualiser dans l'espace de mon histoire. Et en fait, il y a quelques jours, du coup, j'étais un petit peu frustrée et j'avais ce style un peu en tête que je voulais faire. Et en fait, j'arrivais pas. Ça menait à rien. Et en fait, en feuilletant mon sketchbook, je suis tombée sur un petit personnage que j'avais dessiné qui était un peu une espèce d'autobiographie, enfin pas d'autobiographie, une espèce de moi, de petit chibi en fait, de moi. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce style et que ça collait en fait grave avec ce que j'avais en tête. Donc je m'en suis inspirée et j'ai réussi à reproduire. Et là, tout est devenu cohérent. Et alors... Bah, je sais pas si parmi ceux qui regardent ce vlog, y a des artistes, y a des créatifs,
je sais pas si ça vous arrive, mais ce moment de soulagement où t'as une idée et qu'elle devient cohérente et que tout d'un coup tout s'aligne, c'est merveilleux. Je vais insérer, bien sûr, pendant que je parle, des petites choses que j'ai dessinées pour montrer un peu plus. Mais voilà, donc j'étais hyper contente d'avoir trouvé ça. Donc je pense que ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé le style que je veux pour mon livre. Je vais essayer de ne pas changer d'avis parce qu'à un moment il va falloir que j'avance. Mais je suis vraiment contente. C'est un grand pas et maintenant il faut que je concrétise un peu tout ça. Depuis toute petite, j'aime m'envelopper d'un univers. J'aime y plonger et pouvoir m'y promener à ma guise. Quand un univers me plaisait, je m'amusais à écrire une suite, à développer l'histoire d'un personnage secondaire, à dessiner ses aventures. J'ai toujours eu du mal à me contenter d'un seul livre. J'ai toujours ressenti le besoin de faire vivre autrement une histoire. À côté de ça, j'ai de très bons souvenirs de ma mère me lisant des histoires. Je me souviens de me blottir sous la couette et de l'écouter. Plus rien n'existait autour et dès que je m'endormais, je retournais dans cet univers de douceur. Je trouve que c'est un moment de complicité et d'échange qui est précieux, mais toujours trop fugace. Les parents n'ont pas toujours le temps de le prolonger, malheureusement, et quand c'est pas leur emploi du temps chargé qui est court cet instant, c'est Morphée qui s'en mêle. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Un livre pour enfants, qui raconte une histoire, qu'on peut lire le soir, qui véhicule un message, mais qui, durant la journée, permet aussi à l'enfant et aux parents de créer ensemble cette histoire et de la personnaliser. Et plus qu'un livre interactif, j'ai eu envie de créer un livre qui va durer dans le temps, dont les histoires peuvent se poursuivre et s'ancrer dans le quotidien en créant de nouveaux souvenirs en famille. Un livre qui, en somme, sera unique et ressemblera à la famille qui le possède.